m'appelle Giovanni Del Franco, je suis écrivain, j'allais dire, presque depuis la naissance, parce que je ne me souviens pas d'un moment où je n'ai pas écrit. Et je participe au salon de Soigny La Trappe depuis sa naissance aussi, il y a 8 ans. J'ai commencé à publier en l'an 2000, donc il y a une quinzaine d'années, des ouvrages sur le village italien de mon père. Et ensuite, j'ai un peu diversifié mes centres d'intérêt, en allant notamment du côté des loups, du côté des récits de vie. J'ai publié un ouvrage qui s'appelle « Ce que j'écris et mémoire avec 10 récits de vie », un ouvrage sur les violences conjugales et un ouvrage sur la guerre de 14-18. Et plus récemment, je suis revenu à une autre passion d'enfance, les Amérindiens, avec un ouvrage sur les Sioux, bien connu des amateurs de western. Un sur les Indiens Pawnee qui étaient les ennemis des Sioux, et deux sur les Apaches Chiricahua, le peuple de Geronimo. Un sur un personnage qui s'appelle Chef Nana, qui a combattu jusqu'à près de 80 ans aux côtés de Geronimo. Et un autre qui s'appelle Château, qui à l'inverse a combattu aux côtés des Américains contre son propre peuple. Et je suis actuellement en train de travailler sur un troisième volet, toujours sur le même thème, sur le fils de Cochise. Je pense que ça pourrait clore ainsi le cycle consacré aux Apaches.